Marika, dans les deux premiers rangs, s'il te plaît. D'accord. Merci. À 50 000 euros, tous. Alors là, nous sommes au pavillon du cinéma du monde. Et aujourd'hui, c'est la journée glamour, parce que c'est la grande inauguration. En fait, nous allons passer la journée avec Bernard Sucro, Jules de Nage, et on va aussi déjeuner avec M. Jijaba. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le grand jour. Alors, sont ici présents, cinéastes, merci d'être venus. On est heureux que vous soyez là et que vous fassiez un cinéma qui nous soulève, qui nous touche, qui nous transforme, qui nous aide. Salif Traoré du Mali, réalisateur. Marika du Sénégal, réalisatrice. Marat Saroulou du Kirghizistan, réalisateur. Les gens sont vachement intéressés par ça, par ce petit feuilleton. Okay. Donc, parlez-en, dites-le, parce qu'ils vont vous suivre sur le site. Ils d'accord. Vont venir regarder. Ok, bah, très bien. Je vais vous mettre à côté, là-bas. D'accord, côté, j'arrive à me payer un petit passage. Juste à côté. Je vais me présenter, Marika, du Sénégal. Enchantée. Oui, je vais m'habiller d'abord et puis faire la robe après. Le maquillage après. Et c'est la robe d'un designer sénégalais qui s'appelle Ndiaga Diao. Et la marque s'appelle Fit. Et Fit en Wolof, en fait, ça veut dire courage. Ça veut dire aussi la flèche, la direction. Donc j'espère bien que ça va me booster tout à l'heure pour le tapis rouge. C'est un peu le moment dont tout cinéaste rêve de faire la montée des marches, pas du tout. Ah si, ça fait partie du rêve. Maintenant, je ne sais pas si c'est exactement, comment dire, le moment au moment, parce que pour moi, ce serait en fait de monter les marches avec un film en compétition. Ça, c'est vraiment le truc. Déjà, monter les marches, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ça fait vraiment du bien d'avoir un peu le côté glamour de la profession, on va dire, parce que ça arrive pas souvent et c'est chouette. C'est la réalisatrice et productrice sénégalaise Marika, le producteur français Stéphane Jourdain, le réalisateur et producteur guinéen Mama Keta, le réalisateur du Kirghizistan Marat Saroulou, le réalisateur et producteur malien Salif Traoré, ainsi que...